rendez-vous demain. Merci. Et toi aussi, Michel. À demain. Au revoir, Astro. Rendez-vous tout à l'heure. Oui. Absolument, moi, vers les 10h. Je vais aller chercher Gertrude, là. Hein, oui, moi, dans ville. Oui, je vais avec Slébin. Avec Slébin? Moi, je crois que... Ça, il y a Micheline avec Slébin. Oui. Micheline avec Slébin. Oui. Mais nous sommes avec Slébin, je ne sais pas si tu es au courant. Bon, moi, je cherche Gertrude. Bon, allez, écoutez, moi, je... Vous préviendrez à m'excuser, mais je vais faire masser un petit peu, parce que... Oui, à tout à l'heure, Ariane. Ah, c'est bon. Eh bien, écoutez, j'espère que vous aurez au complet tout à l'heure, vers les 10h. À tout à l'heure. À l'heure. Attention, attention, notre rendez-vous est avancé. On se retrouve dès 9h40. On compte sur vous. À tout à l'heure, 9h40. Il chante, il danse, il cabotine, il grimace, il tyrannise une troupe de danseuses et à l'occasion, il joue les nurses. Il vient de prendre 4 kilos. Qu'est-ce que c'est? Vous n'aviez pas plus petit? Ah ben non, c'est la forme standard. Louis de Funès mène la danse. L'homme orchestre sur la une. Bonjour à tous, voici les derniers grands titres de l'actualité. D'abord la tendance à la bourse de Tokyo. Tous les financiers ont l'œil tourné vers les grands indicateurs économiques, car il plane l'ombre d'un nouveau krach. Eh bien à Tokyo ce matin, la tendance est à la hausse sur le marché des valeurs, hausse de 127 points de l'indice Nikkei. Et le dollar a un peu baissé. Le satellite franco-allemand TDF-1 en route pour Kourou, où il doit être mis sur orbite le 7 octobre. Ce satellite permettra à 400 millions de téléspectateurs européens de recevoir les nouveaux programmes de télévision en images haute définition avec le son stéréophonique. La réussite de ce satellite dépend bien sûr de la qualité des programmes. Et c'est aussi le cas du câble. Et là, les programmes apparemment ne comblent pas les téléspectateurs, puisque la télévision par câble à Paris annonce franchement qu'elle n'a pas récolté autant de clients que prévu. 8000 abonnés seulement sur les 200 000 clients potentiels. Quant à la redevance télé, vous le savez, elle doit passer de 541 francs pour la couleur et à 356 francs pour le noir et blanc. Cette augmentation doit aider les chaînes publiques. Le Premier ministre reprend le collier aujourd'hui. Michel Rocard rentre de Suède après 10 jours de vacances. Il a peut-être donné là le signal de la rentrée politique. Jacques Barrot, secrétaire général du CDS, ouvre le feu aujourd'hui dans Paris Match. Il déclare que l'opposition doit avoir une attitude bien claire vis-à-vis du Front National pour les municipales de 89. Le Nil en crue, inondation au Soudan, mauvais temps sur l'Égypte également. Un bateau de touristes a sombré entre Assouan et Louxor au cours d'une tempête. Il y a 34 disparus. Le colonel Kadhafi à la rescousse des fonctionnaires palestiniens de Cisjordanie licenciés par le roi Hussein. Il va leur donner au total 1 million de dollars par mois. Cela fait 6 millions et demi de francs. Enfin, prenez bien garde à vos alarmes de voitures, d'appartements et de magasins. Si elles se déclenchent sans raison, si elles importunent trop souvent vos voisins, il pourra vous en coûter entre 600 et 1300 francs d'amende. La météo pour aujourd'hui avec Catherine Laborde. Bonjour, un temps plus agréable aujourd'hui sur l'ouest et le nord du pays qu'au sud et à l'est, exception faite des régions méditerranéennes où le ciel continuera à briller toute la journée grâce à la tramontane et peut-être un petit peu de mistral. Sinon, la perturbation qui traversait le pays hier, eh bien voilà, cet après-midi elle sera dans cette zone. Attention, en fin de journée, les orages vont reprendre de la vigueur sur le relief Pyrénées, Massif central, Alpes surtout. À l'arrière de cette zone, sur cette grande partie de la France, du soleil et quelques nuages, des nuages juste pour jouer avec le soleil, sauf un petit peu plus là, en bordure de la Manche, une nouvelle perturbation arrive qui ne devrait pas être bien méchante, le week-end devrait être beau. À 13h, vous retrouvez Isabelle Périlloux. À demain, très bonne journée à vous. Avec la climatisation, il fait bon pour la saison. Vos prochains rendez-vous avec l'information, à 12h30, Patrick Bourra, le journal de 13h avec Ladislas de Hoyos, celui de 20h avec Dominique Bromberger, et une dernière avec Florence Schall aux environs de minuit. Au revoir, merci. La récolte est bien mauvaise pour le patriarche du philo. La mort frappe. Enfant renié. Stérilité.
rudesse de la vie, dureté de la terre. On saura très bien se passer de toi. Tout l'été, le vent des moissons souffle en tempête sur la hutte.